Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 14 au 20 août 2023. Premier message du Tarot des Anges pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti! Pour vous accompagner cette semaine les Sagittaires, nous avons un arcane majeur et on a l'impératrice qui nous parle d'abondance, qui nous parle de projet. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. L'impératrice, c'est un peu la maman du jeu. Elle fait attention à elle, elle fait attention aux autres, elle fait attention à ce que personne ne manque de rien. Elle fait vraiment tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs. Même si ça prend un petit peu de temps, même si elle doit emprunter des chemins détournés, prendre des petites routes de campagne plutôt que l'autoroute, elle fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. Allez, poursuivons avec le tarot Hélios. Alors, à la coupe, le 10 de bâton et le 5 de coupe. Bon, voilà. Donc, vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à une situation qui vous apporte des remords, des regrets, qui vous a vraiment mis un genou à terre et qui vous empêche d'avancer, d'y voir clair. Vous êtes épuisé, excédé, fatigué. Il y a trop de responsabilités sur votre dos. Il est temps pour vous, effectivement, de lâcher prise, de déléguer, de prendre du repos, de faire attention à vous et de décider qu'il est temps pour vous de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Mais ça, il n'y a bien que vous qui puissiez prendre cette décision. Il n'y a personne qui pourra le faire à votre place. Alors, c'est vraiment le fait de prendre conscience de tout ça et de décider, effectivement, de prendre soin de sa santé, de ses émotions, de ses projets, pour pouvoir passer à autre chose. Avec l'empereur, on a l'impératrice, on a l'empereur. On parle bien de reprendre les choses en main, de reprendre sa vie en main, de prendre ses décisions de façon juste et équitable, en étant plein de charisme, de volonté, et de savoir exactement comment on doit faire pour pouvoir faire avancer ses projets. Eh bien, on retrouve l'impératrice, on a le couple là. Donc on parle bien de faire tout ce qu'il y a à faire pour en terminer avec quelque chose de compliqué, pour laisser place à des projets, à de la stabilité, à de l'abondance, à vraiment faire ce qu'il y a à faire pour se sentir bien, serein, posé dans sa vie. Eh bien, début de semaine, on a le 10 d'épée. Il est temps pour vous, effectivement, de lâcher prise. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir sortir d'une situation compliquée, là. Vous allez pouvoir passer à autre chose. C'en est terminé, c'est le dénouement d'une situation qui a été difficile, compliquée. Là, c'est le point final. Vous allez pouvoir passer à des nouveaux projets et à retrouver de l'abondance. Voilà, on est sur du nouveau départ avec ce mât. On voit bien qu'on termine quelque chose, on redémarre sur complètement de la nouveauté. Vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais c'est bien quelque chose qui va vous soulager, qui va vous libérer, qui vous donne envie vraiment d'y aller, d'être insouciant, de vous sentir mieux, de vous sentir bien et d'aller vers des nouveaux projets. Avec ce 4 de denier, on parle de se mettre en zone de confort, de se sentir bien avec les siens, dans son quotidien, dans son foyer, dans sa maison. On fait bien sûr attention à ses finances, à ses deniers, à ce qu'on a construit, acquis, afin justement de ne pas mettre tout en péril. On défend ses biens. Au niveau famille, émotion, relation, le 7 de denier, on est sur une période de réflexion où on fait une petite pause là pour justement étudier une situation et voir comment on va faire pour faire évoluer, prospérer, aller vers plus d'abondance et récolter de meilleures façons pour la suite par rapport à une situation qui a été peut-être compliquée. Là, vous en terminez, vous lâchez prise, vous mettez un point final à tout ça et maintenant vous réfléchissez à la suite de cette situation. Ça peut être amical, sentimental, contractuel, on verra bien en fonction de votre situation, de ce que vous traversez en ce moment. Au niveau financier matériel, on vous invite à vous positionner, à défendre vos valeurs, à défendre vos biens, à défendre votre bout de pain pour pouvoir passer vraiment à autre chose et atteindre ce que vous souhaitez. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, un très joli as de coupe. On est sur du nouveau départ, sur de la nouvelle proposition, quelque chose vraiment qui vous fait envie, qui vous met en joie, qui vous apporte beaucoup d'abondance émotionnelle, qui va vraiment vous mettre en sécurité, en zone de confort et qui vous apporte vraiment beaucoup de stabilité. Eh bien, c'est finalement un très joli tirage. On met fin à quelque chose, on retrouve de la libération, de la légèreté, on part sur des nouveaux projets, on se positionne, on s'affirme, on se met en sécurité et on réfléchit à son futur, à ses projets, à ces choses qui vont vraiment vous faire vibrer et qui vont vous apporter plus d'abondance. Voilà pour le tarot. Passons au message du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, nous avons en dodec la tour qui nous parle de vos pensées, qui nous parle d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre.
On parle d'une femme peut-être qui travaille au sein de cet établissement. On parle peut-être aussi d'une situation compliquée, difficile, qui trouve dénouement. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles, ou vous allez vous déplacer, ou avoir de la visite, et c'est bien quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va susciter des émotions. On voit au centre de votre tirage qu'on a les souris qui nous parlent de stress, d'angoisse, de choses qui bouffent un petit peu le moral, mais on peut parler aussi simplement de vos pensées, de mettre en commun ses compétences. Là, on voit que vous allez retrouver de la stabilité, vous allez atteindre vos objectifs par rapport justement à quelque chose qui vous a fait un petit peu souci ou qui vous fait souci. Là, on voit bien qu'on a des souhaits, des vœux qui se matérialisent, qui se concrétisent. On parle de retrouver de l'apaisement, de la nouveauté qui arrive vers vous, de quelque chose qui va vous rapporter vraiment du mieux-être, hein, de soi qui se matérialise, je viens de vous le dire, mais on retrouve cette énergie de l'étoile qui est ici, que l'on a juste en bas de la diagonale et en sortie de tableau. Il y a bien quelque chose qui vous revient ou quelque chose qui se représente à vous par rapport à un homme, par rapport à vous, si vous êtes un homme, le fait peut-être de reprendre les choses en main, ou sinon il peut y avoir des discussions avec un homme qui soit un petit peu tendu, parce qu'on a quand même toutefois les oiseaux qui nous parlent d'échange, de communication et de choses qui vont permettre d'échanger. On les a là, les oiseaux, mais on les a là aussi. Donc on peut avoir des échanges un petit peu tendus, mais je pense plutôt que c'est des choses qui reviennent vers vous, car on a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, un beau cadeau qui arrive vers vous, qui permet vraiment d'atteindre les honneurs par rapport à la famille, un projet, quelque chose qui touche le quotidien, et c'est vraiment une belle opportunité pour vous. Donc pas franchement d'ambiance négative, ce serait plutôt des choses qui reviennent vers vous, qui se représentent vers vous et qui vont vous apporter de la sérénité, de l'apaisement, de la joie, de la stabilité, enfin quelque chose qui vous permet vraiment d'aller vers plus d'abondance. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien on voit que par rapport à vous, si vous êtes un homme, ou par rapport juste au fait de passer l'action, de reprendre les choses en main, on atteint ses objectifs, on atteint les honneurs, on retrouve vraiment de la stabilité, on a du changement positif qui arrive vers vous et vraiment un beau cadeau. On retrouve ce bouquet qui est ici, que l'on a juste en dessous également. Il y a bien quelque chose qui va vous apporter de la nouveauté, qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, pareillement, de la bonne nouvelle, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vraiment vous être communiqué par rapport à une discussion, à un échange. Ça va permettre certainement de mettre en commun ses compétences, de pouvoir faire avancer les choses plus rapidement. Alors ça peut venir vraiment d'un bâtiment et d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On retrouve la tour qui est ici, on l'a là aussi, et ça peut être en relation avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. On voit bien qu'on retrouve de la stabilité, qu'on atteint ses objectifs par rapport à tout ça. On retrouve l'encre qui est ici, qui est juste au-dessus également. Et c'est bien quelque chose qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez, d'atteindre les honneurs. On retrouve la lune qui est là, que l'on a également juste au-dessus. Au niveau financier matériel, on retrouve de l'apaisement grâce à une opportunité qui vous arrive de la part d'une personne de confiance. On en discute, on échange à ce propos, ça vous apporte de la nouveauté, ça vous apporte du changement positif, et bien quelque chose qui revient vers vous, qui va vous apporter satisfaction. Donc pour cette semaine, on atteint ses objectifs, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage grâce à des communications qui reviennent vers vous, qui vous apportent vraiment du mieux-être par rapport à une personne de confiance qui arrive vers vous. On atteint ses objectifs, on atteint les honneurs, on se sent bien par rapport à un projet, par rapport à quelque chose du passé, par rapport à quelque chose du quotidien, quelque chose qui arrive très rapidement, qui va vous apporter une belle opportunité par rapport à un engagement, un contrat, une union, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un et ça vous apporte du renouveau. On passe à l'action, on reprend les choses en main, ou c'est peut-être en relation avec un homme, tout simplement. En tout cas, on a vraiment de la bonne nouvelle, quelque chose qui vous arrive, qui vous fait extrêmement plaisir, qui va permettre de mettre fin ou de décider quelque chose, qui vous apporte encore une fois quelque chose de nouveau, un changement, hein, tout simplement, par rapport à un projet. Et ça vous apporte de l'apaisement, de la sérénité. On a des belles communications qui sont protégées, quelque chose qui est en relation avec un lien, quelque chose qui vous unit avec quelqu'un, qui vous engage avec quelqu'un. Et là, on voit bien qu'on est soutenu, appuyé, guidé, enfin quelque chose qui vous apporte du mieux-être. Voilà les Sagittaires, bonne semaine.